Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la review du dernier show de la H2O. H2O qui est du coup la fête de Matt Tremont dont on parle quelques fois sur la chaîne. Là c'était un gros show de H2O. Du coup évidemment on allait en parler, c'était le show Hustle Palooza. Un show qui se déroulait le 25 juillet. Alors la vidéo met du temps à sortir depuis que le show s'est déroulé. Tout simplement parce que le show a été diffusé 6 jours plus tard, donc le 31 juillet. Du coup bah c'était, voilà. Et j'ai réussi à pas me faire spoil d'ailleurs d'aucun match. C'est quand même assez fou pendant les 6 jours. Et je l'ai même maté un peu plus tard que le 31 juillet, donc voilà, c'est pour ça que la review sort le 4 août, voilà. Mais en tout cas, c'était un show qui m'a hypé bien, personnellement, donc on est toujours dans la situation de la H2O, avec 2-4-4-Wage qui sont champions, d'ailleurs, tous les membres de 4-4-Wage défendent leur titre durant ce show, et on a notamment un main event entre Ricky Shane Page et G-River, qui a été vraiment bien amené, j'ai trouvé, et qui m'a hypé beaucoup, personnellement, qui était vraiment le match qui m'a hypé le plus du show, et d'assez loin, de toute façon. Et enfin voilà, t'avais aussi le match pour les titres H2O Tag qui m'a hypé bien, Bobby Beverly et Eric Ryan contre Jimmy Lyon et Mikey Knuckles. Du coup, voilà, par rapport à Mai, par rapport à un peu ce qui allait se passer pendant le show. Du coup, on va commencer la review de ce show H2O Hustle Palooza 2021 avec l'opener qui était déjà le premier match de titre. C'était le match pour le championnat H2O Hybrid, donc qui est détenu par Gregory Iron actuellement. Donc on rappelle, tous les titres de H2O sont détenus par des membres de 4-4-Wage. Là, c'est Iron qui défendait son titre dans un six-pack challenge. Alors, les 5 challengers du match, c'était Brandon Kirk, Lucky 13, Mike Quest, Reed Walker et Ryan Redfield. En un peu plus de 5 minutes, Gregory Iron a conservé son titre en faisant le tomber sur Mike Quest, donc par roll-up. T'as l'idée de victoire finalement un peu cheap qui est bonne, je trouve, dans ce match. Le match est assez bien fait. Bon, voilà. Après, c'est du même passé minute, donc ça peut pas aller au-dessus du 3-25. 3-25, comme vous verrez, c'est une note que j'ai beaucoup mis par rapport à ce show. Gregory Iron qui conserve, je trouve ça logique. De toute façon, la storyline avec 4-4-Wage, pour moi, faut la continuer pour le moment. Le seul Palooza peut servir de tremplin pour continuer cette rivalité finalement. Et d'ailleurs, franchement, c'était bien fait avec le titre hybride. Voilà, il a été bien d'opener assez logiquement finalement. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il aille spécialement plus haut dans la 4 pour le coup, le titre hybride. Bon, peut-être en deuxième ou troisième match, mais max quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était plutôt bien fait ce match. Tu pouvais voir quelques semblants de rivalité, tout ça. T'avais Brandon Kirk, Reed Walker, ça. Voilà, moi j'ai trouvé ça franchement bien fait. Brandon Kirk, c'est un bon catcher. De toute façon, il ajoute un peu au match et il fait clairement bien son taf, je trouve, Brandon Kirk. Mais évidemment c'est sur Gregory Iron que va la hit à la fin, et c'est très bien fait de toute façon. Un six pack qui est plutôt court où Gregory Iron va voler la victoire assez logiquement avec le temps du match finalement. Fallait pas une victoire trop clean avec trop décisive finalement avec 6 minutes de match, surtout vu que ça peut donner de la hit déjà en début de show avec 4-4-Wage qui conserve son premier titre. Moi j'ai trouvé ça logique personnellement et bien fait. Après c'est pas exceptionnel non plus, voilà, c'est un petit opener. J'ai mis 3-25 en tout cas. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un 8-man tag team match avec Aiden Ball, Dan O'Hare, Frankie Picard et Moose qui affrontaient Bam Sullivan, Darian Hardway, Edward Hawkins et Kit Osborne. On a eu une victoire de Bam Sullivan, Darian Hardway, Edward Hawkins et Kit Osborne en un peu plus de 6 minutes. Alors le match était assez court mais assez bien fait, j'ai trouvé. Bam Sullivan va bien jouer son rôle de heel, du début à la fin d'ailleurs. Bam Sullivan, je trouve qu'ils sont en train de faire un truc assez intéressant avec lui à la H2O depuis qu'il a perdu le titre d'Annie Havoc Hardcore contre Jeff Cannonball à Misery Business. T'as son heel turn qui s'est fait sur Cannonball après ce match là. Enfin, t'as vraiment des trucs intéressants avec Bam Sullivan. Là c'est Darian Hardway qui va faire son finish, je crois que c'est sur Dan O'Hare si je dis pas de bêtises. Et du coup Bam Sullivan va tag Darian Hardway pendant qu'il fait son finish, donc qui est une running power bomb. Et du coup, vu qu'il la tag, il va faire directement le tomber. Je crois que c'est sur Dan O'Hare, comme j'ai dit. Et il va du coup faire le tomber et remporte le match. Il vole un peu la victoire à son coéquipier Bam Sullivan. J'ai bien aimé ce comportement personnellement. Après tout, le match était bien fait. Voilà, pour un 8-man, c'était pas trop le bordel, c'est pas trop long. Voilà, c'était assez plaisant à voir. Après, rien de bien exceptionnel. Voilà, j'ai mis 3-25 à ce match. Du coup, voilà pour ce 8-man tag qui donne un bon petit building. Je trouve à Bam Sullivan personnellement, je trouve qu'il est en train de bien se faire builder. Je trouve à Bam Sullivan personnellement à la H2O, et je trouve qu'il y a des choses plutôt intéressantes à faire avec lui prochainement par rapport à son heel turn. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un tag intergender avec Billy Starks et Marcus Mathers, donc qui sont l'équipe intergender, et contre deux hommes pour le coup, Dylan McKay et Steve Sanders. Alors, tu as déjà une histoire très intéressante entre
Dylan McKay, Marcus Mathers, parce que ils se connaissent depuis assez longtemps. Les deux se sont entraînés ensemble, tout ça. Du coup, tu vois qu'ils se connaissent de toute façon dans le match, Dylan McKay et Marcus Mathers. Et moi, j'ai trouvé ça très bien fait par rapport au-delà. De toute façon, la plupart des échanges vont être concentrés justement entre ces deux catcheurs qui ont fait tous les deux une bonne performance. Voilà, le match est en 10 minutes, victoire de Dylan McKay et Steve Sanders. Le match était plutôt bien fait. Billy Starks va également faire un bon taf. Moi, j'aime bien Billy Starks, elle est jeune, elle a plein de potentiel. Et franchement, elle montre de belles choses à chaque fois que je vois un match d'elle, personnellement. Je l'avais découvert lors de la WrestleMania Week, Billy Starks, personnellement. Et depuis, franchement, j'aime bien son taf. Mais ouais, comme j'ai dit, c'est vraiment Marcus Mathers et Dylan McKay qui vont mettre du bon storytelling dans le match, qui vont ajouter un certain intérêt, finalement, à ce match tag. Steve Sanders, c'est pas le mec le plus intéressant au monde non plus. Donc voilà. Mais ouais, vraiment, vraiment belle performance de McKay et Mathers, sans être non plus incroyable, hein. Faut pas déconner. C'est pour ça que j'ai mis 3,25 et très honnêtement, j'étais pas loin du 3,5 parce que ça a très bien fait son taf. Du coup, voilà pour ce troisième match de la carte, du coup, remporté par Dylan McKay et Steve Sanders. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match de la carte, dernier match, du coup, de l'undercard de ce show Hustlepalooza 2021. Le dernier match undercard, le quatrième match de la carte, c'était Drew Blood qui affrontait Nolan Edwards dans un 1-contre-1. Alors, ce Drew Blood contre Nolan Edwards, personnellement, j'avais envie de le voir. Nolan Edwards, c'est un catcheur que j'aime vraiment bien, que je trouve que, bah, franchement, en termes d'Indie US, en termes de Rising Star, en termes d'étoiles montantes, finalement, de l'Indie US, Nolan Edwards se place bien. Je trouve qu'il fait une très bonne année, Nolan Edwards. Je l'ai découvert là aussi, lors de la WrestleMania Week, peut-être un peu avant la WrestleMania Week pour le coup, mais franchement, je trouve qu'il fait une très bonne année. Et là, il a battu Drew Blood en un peu plus de 6 minutes. Bon, le match est un peu décevant, très honnêtement, de par sa longueur, de par sa durée, finalement, ce qui me semble assez logique. Même si ça reste cool, Drew Blood fait une bonne performance, il a bien mis Nolan Edwards over, que j'ai trouvé Nolan Edwards d'ailleurs assez intéressant, un peu comme toujours. Enfin voilà, Edwards c'est un bon babyface de toute façon dans le match, c'est assez clair. Drew Blood il est là pour le mettre over de toute façon, comme j'ai dit, ça me paraît assez logique. Drew Blood, enfin voilà, il a déjà 40 ans, Drew Blood, donc c'est logique qu'il mette over un Nolan Edwards de 23 ans qui est une grosse étoile montante. Et enfin voilà, le match malheureusement est trop court pour être au-dessus du 3,25 c'est ma note. Bon, je comprends qu'on puisse mettre 3,5 à la limite parce que l'histoire du match est plutôt sympa finalement, mais bon, il y a rien de spécial non plus. C'est Edwards qui est présenté comme l'underdog et Drew Blood le met over, quoi. C'est rien de plus, mais bon voilà, au moins ça fait le taf. Voilà, c'est de l'undercard comme je l'ai dit, mais voilà, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Au moins Nolan Edwards a gagné, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique, mais j'aimerais en avoir à dire plus finalement de ce match, mais ils ont pas proposé assez de contenu finalement par rapport à ce que j'attendais personnellement. Du coup voilà pour ce match donc remporté logiquement par Nolan Edwards. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était un match number one contender pour le championnat Danny Havoc Hardcore. Le championnat d'Annie Havoc Hardcore qui sera d'ailleurs défendu un peu plus tard dans le show et par Atticus Cogar contre Kennedy Copeland, mais on en parlera en temps venu. Le match c'était un four-way avec Declan Grant, JJ Everson, Jeff Cannonball et Kyle Lovebrock. Kyle Lovebrock, c'est la première fois que je le vois d'ailleurs personnellement, même si il a été beaucoup à l'show. Ah non, c'est, je viens de voir que c'est la deuxième fois que je le voyais parce qu'il était là au show Bad Luck It Can Last Forever. Mais voilà, c'est la deuxième fois du coup que je vois ce catcher. Le match a duré un peu moins de 9 minutes, il a été remporté par Declan Grant, que j'ai trouvé assez logique personnellement. Alors Declan Grant, c'est quand même un mec qui veut être poussé par H2O, du coup ça me paraît franchement assez logique, hein, finalement qui remporte ce four-way, parce qu'on rappelle qu'il avait quand même remporté le tournoi Hardcore Kingdom, hein, Declan Grant, lors du show du même nom, Hardcore Kingdom, qui est le plus gros show de l'année de l'H2O, avec du coup des Fever Series cette année qui s'était déroulé le 26 juin, qui était pour l'anniversaire de l'H2O. Enfin, voilà, t'as vraiment les deux gros shows qui sont Hardcore Kingdom et The Feversary. Hardcore Kingdom, pardon, qui accueille un tournoi annuel, et c'est Declan Grant qui l'a remporté cette année. Du coup, déjà, t'as ça. Enfin, voilà. Tu sens qu'il y a quand même un truc pour Declan Grant. Après, je pense qu'il aura plus tard une chance au titre World de Ricky Shane Page, de toute façon. Là, c'était logique de lui faire gagner. Il va affronter Cogar. Il va très probablement perdre. Mais voilà, ça restait cool. En tout cas, j'ai bien aimé également le fait de mettre Jeff Cannonball dans le match, sachant que c'est l'ancien champion d'Annie Havoc Hardcore. Du coup, j'ai trouvé ça bien en mode, ouais, il veut récupérer son titre pris lâchement par Atticus Cogar. Mais ben voilà, tout le monde fait une plutôt bonne performance. Franchement, c'est un match plutôt plaisant à voir. Je lui ai mis 3 parce que c'est
c'est pas incroyable des masses non plus. Voilà, c'est un match hardcore. C'est pas non plus totalement ma cam, mais j'ai trouvé que ça faisait le taf. Voilà, c'est 8 bonnes minutes, ça se regarde. Après, c'est loin d'être le meilleur match du show. Voilà, je pense même qu'il y a moyen que ce soit dans les moins bons matchs du show avec le match pour le championnat Hybrid qui est en opener, qui reste cool également. Mais enfin, voilà, c'est un des moins bons matchs du show. Et du coup, Declan Gwen qui sera le prochain challenger au championnat et show Danny Havoc hardcore. Et ça, on va voir du coup une affiche qui va me hyper beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au match de championnat H2O Tag Team. Le match de championnat H2O Tag Team, c'était 4-4 Wage, Bobby Beverly et Eric Ryan qui défendaient contre Jimmy Lyon et Mikey Knuckles. Alors, faut savoir du coup que c'était la première défense de titre de Beverly et Eric Ryan après les avoir remportés à Defiversary au show anniversaire de H2O. Le match a duré un peu plus de 12 minutes. Victoire et conservation des titres très logique de Beverly et d'Eric Ryan. C'est mon deuxième match préféré du show. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match hardcore. Eric Ryan et Bobby Beverly, ils ont un bon heel work dans le match, évidemment, comme d'habitude. Ils jouent très bien leur rôle et il y a quelques séquences que j'ai trouvées très intéressantes, comme à l'extérieur du ring par exemple, où tu vas avoir des coups de chaise. Enfin voilà, j'étais vraiment très brutal finalement. Bon après, c'est vu les quatre noms présents, moi ça me convient totalement que ce soit brutal et c'est même le but finalement. Surtout contre des Jimmy Lyon et Mikey Knuckles qui représentent un peu H2O du coup là. Enfin clairement, c'est la suite logique de la feud. Jimmy Lyon et Mikey Knuckles en plus, ils avaient eu un gros death match lors du show Misery Business et du coup ça. Enfin après là maintenant ils se mettent en équipe, il y a une story qui est intéressante finalement entre Jimmy Lyon et Mikey Knuckles, j'ai envie d'en voir plus de deux en équipe personnellement. Mikey Knuckles c'est une catcheuse que je commence vraiment à apprécier personnellement, elle a fait un bon match il y a pas longtemps à la NPU notamment, il me semble que c'était contre Jamie Senegal si j'ai pas de bêtises, ou peut-être Kenny Copeland, je sais plus, enfin l'une des deux. Et en tout cas là avec Jimmy Lyon en équipe, en plus avec la petite story qu'il y a, franchement moi je trouve ça plutôt intéressant, ça a ajouté également au match je trouve. Et ben, voilà, tu restes avec un bon match et bon ça décolle pas énormément non plus, mais ça reste à 3,25, proche du 3,5 finalement. Ryan et Beverly conservent logiquement, du coup ça fait 2 sur 2 du coup déjà pour 4-4 Wage. Du coup vu que Iron avait conservé son championnat H2O Hybrid un peu plus tôt dans le show, mais du coup tu te retrouves avec un bon match hardcore, un bon match par équipe bien violent. Moi personnellement c'est un match que je conseille. Bon c'est pas exceptionnel mais voilà, ça se regarde assez facilement, c'est pas extrêmement long non plus, un peu plus de 12 minutes et du coup voilà, moi franchement je commence à bien aimer franchement le règne de titre tag de Beverly et d'Eric Ryan. Ils ont, enfin voilà, en tant que première défense ils ont une équipe qui est quand même assez logique à mettre contre eux, mais en même temps logique qu'elle perd. Enfin je veux dire voilà, c'est vraiment bien fait je trouve. Je pense qu'il y a des bons petits trucs à amorcer avec ce règne tag. Du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au match pour le championnat H2O Danny Havoc Hardcore, le troisième des quatre matchs de titre du coup. C'était Atticus Cogar qui défendait son titre du coup contre Kennedy Copeland. Victoire facile d'Atticus Cogar en un peu plus de 10 minutes. Enfin voilà, très personnellement j'avais aucun doute sur la victoire d'Atticus Cogar, surtout avec la victoire de Declan Grant un peu plus tôt, sachant que Declan Grant quand il prend le Hardcore Kingdom en main event de Hardcore Kingdom 5, il le vole un peu à Atticus Cogar. Enfin voilà, c'était un peu entre les deux que ça se jouait hein, finalement pour remporter le Hardcore Kingdom. Et du coup tu vois l'histoire qui est essayé de raconter. Franchement je pense même qu'il y a moyen que Declan Grant soit celui qui prenne le titre de Cogar, même si comme j'ai dit tout à l'heure je pense pas, je pense plutôt qu'il ira pour le titre World de Ricky Shane Page. Après est-ce qu'il le prendra, c'est une autre question, ça m'étonnerait quand même. Alors pour être très honnête, c'est pas le match qui m'a le plus intéressé. J'adore Atticus Cogar, hein, y a pas de souci, mais d'habitude je suis vraiment super intéressé par les matchs d'Atticus Cogar, je les trouve vraiment super, et cette fois j'ai pas eu le truc. Voilà, j'ai pas eu le truc qui m'a vraiment investi dans le match. Peut-être que son adversaire était pas spécialement ouf non plus, Kennedy Copeland, bon c'est pas incroyable, voilà. Elle avait pas spécialement peut-être beaucoup d'alchimie avec Cogar non plus, ou peut-être que c'était juste un peu trop facile finalement pour Cogar. Je saurais pas mettre le doigt sur ce qui m'a vraiment un peu dérangé, mais j'étais pas super intéressé. Bon après c'était une défense de titre de Cogar qui était plutôt correcte, hein. J'ai mis 3,25 personnellement, voilà, c'est un peu ma note de base, ça reste un match vraiment basique, correct, victoire de Cogar logique. Copeland va essayer de placer une ou deux soumissions en match, c'était cool, enfin voilà. Mais c'était bon. Ah, voilà, moi j'attends surtout le Atticus Cogar des Clan Grant. Comme j'ai dit, c'est un match qui m'hype beaucoup. Et voilà, c'était peut-être un peu trop facile pour Cogar finalement. C'est ça qui m'a peut-être empêché d'être spécialement investi dans le truc. Et pour une défense de titre, ça faisait peut-être un peu trop random, même si c'était correct. Hein, comme j'ai dit, c'est une défense de titre plutôt cool. Mais voilà, c'est un peu random quand même pour un show au Showboat comme Sol Palooza. Du coup, voilà pour ce match.
je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire finalement pour cette défense de titre du coup réussie par Atticus Cogar. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Tony Deppen contre Austin Luke. Alors déjà, la dynamique est super intéressante de ce match parce que t'as Tony Deppen qui est une des plus grosses stars de l'Indie US contre Austin Luke qui est un peu le meilleur étudiant, on va dire, de l'école de Matt Tremont, le meilleur étudiant de la H2O finalement, ou en tout cas qui est présenté comme tel. Du coup là, il a un gros test en affrontant Tony Deppen, et moi j'ai trouvé ça très bien parce que Tony Deppen, franchement, Tony Deppen contre Austin Luke, il va catcher comme quelqu'un qui est au-dessus, tu vois, il catch comme quelqu'un qui est au-dessus, et moi je trouve ça très bien comme quelqu'un qui se sent au-dessus finalement. Et j'ai adoré le comportement de Tony Deppen dans le match. Je lui ai mis 3,5 personnellement. Ce match, j'étais pas spécialement très loin du 3,75, c'était peut-être un peu trop court. Voilà, ça dure un peu plus de 12 minutes. Victoire de Austin Luke, d'ailleurs, j'ai toujours pas précisé, victoire de Austin Luke, qui m'a vraiment surpris, que j'ai trouvé vraiment super. C'est super de la part de Tony Deppen de se coucher pour Austin Luke. Et finalement, bon, le finish, j'ai pas spécialement plus amené, mais c'est un très bon upset. C'est un très bon upset pour Austin Luke, j'ai trouvé personnellement. Et c'est ça qui en fait également mon match préféré du show. C'était une histoire qui est cohérente, qui est efficace, qui est logique finalement. Et t'as les deux qui jouent très bien leur rôle. Austin Luke fait une très bonne performance encore une fois. Je comprends pourquoi on le présente comme le meilleur jeune de l'H2O, parce que c'est probablement le cas. Franchement, t'as Marcus Mathers qui est aussi bien dans le lot, qui est aussi un très bon jeune, je trouve, Marcus Mathers. Mais enfin, ça se joue entre les deux, quoi. Et là, t'as Lou qui tape un très bon match contre Tony Deppen. Du coup, après, c'est rare de taper un mauvais match contre Tony Deppen, quoi. Faut vraiment s'appeler Alex Zane pour. Donc bon, voilà, c'est compliqué. Du coup, voilà pour ce match, du coup, remporté par Austin Luke, et qui est donc mon match préféré du show personnellement, qui avait, comme j'ai dit, une bonne dynamique, qui avait vraiment une belle évolution et un bon résultat. Enfin voilà, je dirais pas que c'est le meilleur des finishes, comme je l'ai dit, c'est pas spécialement amené, mais un bon résultat en tout cas, un bon finish. Voilà, on va dire un bon finish. Voilà, c'est le cas. Et du coup voilà pour ce pre-main event du coup de Sol Palooza. Et du coup maintenant je comprends pourquoi il a été placé en pre-main event, c'est pour donner la victoire à Austin Luke. Voilà, entre finalement le match de titre Danny Havoc Hardcore et le match de titre Heavyweight, moi je trouve ça bien personnellement d'avoir placé ce match qui n'est pas pour un titre du coup entre les trois matchs de titre, entre les deux qu'il y a précédemment et le main event duquel on va parler tout de suite. Du coup, le main event de ce show H2O Sol Palooza 2021, c'était le match pour le championnat H2O Heavyweight. C'était un casquette match entre Ricky Shane Page et G Raver. Alors personnellement, c'était un match qui m'a hypé beaucoup. Franchement, je trouve que la storyline a été très bien amenée, et ça depuis la prise de titre H2O Heavyweight de Ricky Shane Page finalement sur Chuck Payne. Derrière, t'as eu deux grosses, on va dire, altercations entre G Raver et Ricky Shane Page. T'as eu deux gros trucs. Enfin, t'as eu le challenge de Ricky Shane Page, de G Raver, pardon. Là, franchement, moi j'ai trouvé ça très bien amené finalement. Bon, c'était pas la rivalité qui allait évidemment mettre un terme au règne de Ricky Shane Page. C'est d'ailleurs Ricky Shane Page qui va conserver son championnat H2O assez logiquement finalement. De toute façon, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, pardon, sur H2O, je pense que ce sera Matt Tremont qui ira vers Ricky Shane Page à un moment. Je pense que Matt Tremont va être obligé de sortir de sa retraite à cause de ce que fait H2O, à cause de ce que fait, pardon, 440 dans H2O. Alors le match va plutôt bien démarrer, très honnêtement. Sur Ricky Shane Page contre G-Raver, on va avoir un bon petit rythme au début. Ricky Shane Page joue bien son rôle de heel évidemment. G-Raver, il attaque dès qu'il peut, il hésite pas à prendre des gros bumps. G-Raver, tu sens clairement une grosse volonté de la part de G-Raver, et c'est bien finalement par rapport à la story entre H2O et 440. Et finalement voilà, bon, j'en attendais beaucoup plus de ce main event finalement, et le main event m'a déçu très honnêtement. Mais la première partie du match est très bien faite, j'ai trouvé, et je m'attendais à plus. On a eu que 11 minutes de match, conservation de Ricky Shane Page logique certes, mais enfin voilà, ça c'est un match qui est vraiment finalement filler dans la storyline H2O contre 440. Finalement, je pense que j'aurais dû m'y attendre finalement à ce que le match soit un match filler dans la storyline, mais je m'attendais quand même à un assez gros match, sachant que G-Raver a pas été présenté comme sûr de perdre finalement contre Ricky Shane Page. Je m'attendais à ce que Ricky Shane Page ait de la difficulté finalement à battre G-Raver. J'aurais bien aimé ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment des bons petits moments pour G-Raver. Il y en a eu évidemment, il y a un tornado DDT sur le cercueil depuis les cordes que j'ai trouvé super, enfin voilà, à l'aide du cercueil. Donc voilà, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. À la fin du match, on a une intervention qui m'a un peu saoulé personnellement. Enfin voilà, d'habitude j'aime bien les interventions avec 440 et tout, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est fait de manière assez logique, de manière assez intelligente. Mais là c'est vraiment, en fait c'est Eddie Only qui va faire son retour du coup à la H2O. Il était pas là depuis plusieurs mois, Eddie Only, et il va intervenir, il va attaquer G-Raver et il va donner la victoire finalement à Ricky Shane Page. Bon, moi j'ai trouvé ça j'ai
trouvais ça plutôt, comment dire, plutôt too much, on va dire. Voilà, c'est ça le mot, c'est too much. Et du coup, bah, t'as le retour d'Eddie Only qui vient aider For4H. Bon, voilà, à voir ce que ça va donner finalement. G-Raver a perdu, bah voilà, il a été protégé finalement dans la défaite. Pourquoi pas donner un rematch à G-Raver un peu plus tard dans le règne de Rikishi and Page finalement? Parce que moi, personnellement, je pense que ça me paraît logique vu le finish de ce casquette match finalement. Et en plus, bah voilà, c'était G-Raver qui avait imposé cette stipulation à Rikishi and Page. Et Rikishi and Page l'a battu à sa stipulation. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien finalement. Voilà, j'ai trouvé le match bien dans son ensemble, mais c'est vraiment décevant. J'en attendais à beaucoup plus. J'ai mis 3,25, ce qui est relativement peut-être un peu peu pour une telle affiche avec une telle storyline finalement, que j'aime beaucoup cette storyline H2440 personnellement depuis qu'elle a commencé, et même elle s'est intensifiée depuis finalement que 440 ont pris tous les titres à Defiversary, et j'aime de plus en plus cette storyline. Du coup là, j'ai été un peu déçu par ce Rikishi and Page G-Raver, mais du coup voilà, conservation de Rikishi and Page avec l'aide d'Eddie Only. Du coup voilà pour ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement moi je l'ai trouvé plutôt bon, un peu décevant pour être honnête, un peu décevant, mais ça faisait le taf. Voilà, on va dire que ça faisait le taf très honnêtement. Bon, c'est pas ce que j'attendais d'un showboat avec tous les titres défendus finalement, mais ça faisait le taf. Il y a quand même quelques matchs à voir évidemment. Pour moi, le Austin Luke Tony Deppen, il est à voir. Le match est vraiment très bon, très bien raconté, et enfin voilà. Le match au championnat H2O Tag Team est également à voir. Pour moi, le Bobby Beverly et Eric Ryan contre Jimmy Lyon et Mikey Knuckles, que franchement c'est un bon match hardcore, un bon petit match hardcore. Et franchement, si vous aimez le catch hardcore US notamment, je vous conseille vraiment ce match pour les titres tag, franchement, parce que c'est un bon petit match hardcore. Après, ils en font pas trop non plus, mais enfin, après, vu les noms, bon voilà, c'est logique que ce soit plutôt cool à voir. Et bon, également, je peux conseiller le main event, même s'il est vraiment décevant. Il avance la story la plus importante à l'H2O. Du coup, je me dis qu'il faut peut-être le rattraper quand même. Du coup, voilà pour ce show H2O Hustle Palooza 2021. Voilà, du coup, pour cette review. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.